Passons, si je me trompe pas, au projet pédagogique, hein, c'est ça. Oui, donc dans le large éventail qu'a la ville d'action d'accompagnement des écoles des plus jeunes, eh bien, on accompagne aussi sur les projets pédagogiques que peuvent avoir les enseignants. Et donc, voilà, il y a des demandes qui sont effectuées pour une sortie scolaire, pour l'accueil d'artistes, pour un matériel spécifique. Et donc, cette année, on a eu deux demandes, une de l'école maternelle de La Fontaine et l'autre de l'école élémentaire de La Fontaine, pour deux projets pédagogiques, je vais réussir. Alors, ce n'est pas les seules écoles qui ont des projets pédagogiques accompagnés par la mairie. Pour les autres écoles, il y a un fonctionnement où en fait c'est la mairie qui prend en charge directement, par mandat administratif, etc., les coûts. Là, dans un souci de flexibilité, les équipes pédagogiques de la maternelle et de l'élémentaire ont des structures associatives, et donc pour eux c'est plus facile pour certaines réservations en amont, quand il faut verser des arts, etc., ils ont plus de souplesse que nous n'avons, nous, collectivités. Donc c'est uniquement cette école qui fait ses demandes à ce qu'on leur verse la subvention directement pour qu'eux puissent faire leur réservation. L'ensemble des autres écoles sont accompagnées en général sur la même hauteur. Donc voilà, ce soir, on vous demande les subventions pour l'association pédagogique maternelle La Fontaine de 500 euros et La Fontaine Animation, école élémentaire La Fontaine pour 885 euros. Merci. Pas de questions particulières. On peut avoir un vote unanime. Merci beaucoup.